Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue ceux qui viennent tout juste de joindre à nous sur SSN Canada. Là, donc, on s'excuse pour le retard. Donc, on a eu plusieurs problèmes ici. Là, ils ont branché une caméra de rechange puisque le caméraman a pu se rendre en direct du complexe sportif. Donc, Sinisha Shindig à la description. Jonathan Noël qui est avec moi ce soir à l'analyse. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, Sinisha. Donc, le match... vient de commencer, là, ça fait presque 5 minutes 30 de jouer. C'est toujours 0-0 entre les GGs et les Redmen de McGill. On vous rappelle que c'est le deuxième match de la série qui est disputé ce soir. Donc, Jonathan, les GGs là, qui ont subi une défaite crève-cœur à McGill mercredi soir alors qu'ils menaient 3-0. Alors, dans quel sens ça peut jouer dans leur tête ce soir? C'est certain que ça va jouer dans leur tête pour la simple et unique raison qu'on avait très bien commencé la partie. On avait marqué 3 buts en un petit peu moins de 30 minutes de jeu. Et puis alors que tout semblait bien aller, un but faible qui est rentré sur Russell Abbott, qui n'a pas vu la rondelle sur un lancer de la pointe. Ensuite, un autre but. C'était 3-2 en début de troisième. Ensuite, on a marqué 3 buts en deuxième. Finalement, le dernier dans un filet désert. Donc, chez les GGs, on se doit de répondre, puisque si on perd aujourd'hui, la saison est terminée, tout comme la carrière du capitaine Mathieu Métot. Il paraît que Mathieu Métot là, va vouloir donner tout ce qu'il a, comme il l'a fait depuis le début de ses séries. Là. Lui qui performe... d'une excellence là, depuis le début des séries éliminatoires, qui est le meilleur pointeur de son équipe, meilleur buteur d'ailleurs. C'est lui qui a marqué le premier but des GGs à McGill mercredi soir. Donc là, c'est McGill qui poursuit leur attaque. Donc ça fait plusieurs instants là, qu'ils bourdonnent dans le territoire des GGs. Du côté de la troupe de Real Paiement, on semble avoir de la difficulté à s'installer, à organiser une attaque. Wright envoie la rondelle devant le filet. C'est Jalbert dans le coin. Aux prises face à Bignac. Bignac qui lui soutire la rondelle. Donc on vous rappelle que les Redmen de McGill sont en avantage numérique suite à une punition à Alexandre Touchette. Le tir. L'arrêt de Russell Abbott. À la ligne bleue. Wright. Le tir de Wright, ça passe tout juste à la droite. Ça revient à la bouchure du filet. La rondelle libre devant. Finalement, c'est David Fouché qui va prendre possession de la rondelle. Il va tenter d'emprisonner cette rondelle entre la bande et son patin. Finalement, c'est repris par Donovan. Donovan aux prises face à Wright et Bignac. Bignac qui bataille face à Jalbert. Le Donovan tente un dégagement. Finalement, ça sera réussi jusqu'au centre. Donc là, McGill qui menace. Là, et du côté des GGs, on s'est quand même bien défendu. On a bloqué les angles de tir. Absolument, on a bloqué les angles de tir. Le seul lancer qui s'est rendu à but, ce dernier a effectué un très bel arrêt. Du même coup, on a pu effectuer nos changements. Donc on a 4 patineurs frais en ce moment sur la patinoire. Donc ça, jusqu'à présent, tout va bien pour les GGs. Par contre, une fois que la punition de Touchette se terminera, on devra trouver un moyen d'aller en offensive puisque on le sait, contre les GGs, il faut absolument marquer des buts et plus que 3 comme on a vu lors de la dernière partie. Donc voilà, la pénalité Alexandre Touchette prend fin à l'instant. Donc avec 12 minutes 30 à le faire en première période, on va jouer à 5 contre 5 et là voilà qu'il y a hors-jeu à la ligne bleue des GGs. Donc on reprendra le tout avec une mise en jeu à l'entrée de territoire d'Ottawa. Donc comme tu le disais, Jonathan, là, si ce soir les GGs finissaient par perdre ce match, donc ça signifierait la fin de la saison, évidemment, et la fin d'une belle carrière universitaire pour Mathieu Métot. Et parions là, qu'il veut au moins disputer un troisième match là, et pousser cette série jusqu'en 3 pour retourner à McGill en fin de semaine. Absolument, Sinisha. Puis je crois que les GGs, en première moitié du match numéro 1 qui s'est disputé mercredi soir à McGill, on a démontré chez les GGs que c'était pas mission impossible de battre McGill. Le seul hic qui est arrivé avec les GGs, c'est qu'on s'est fait marquer un but et ensuite toute la confiance de l'équipe a semblé s'en aller, que ce soit le gardien ou les attaquants n'étaient plus capables de marquer de but. Russell Abbott qui était extrêmement nerveux, mais tout de même si on suit aux 30 premières minutes, les GGs ont amplement démontré qu'ils peuvent rivaliser avec McGill et non seulement rivaliser mais également les battre. C'est exactement là, donc les GGs qui ont débuté la rencontre, rappelons-le, avec une avance de 3-0 là, en début de deuxième période, pardon, avec une vingtaine de secondes à faire, Alexandre Touchette a apporté la marque à 3-0. Et par la suite, là, ça a été la dégringolade. Les GGs qui se sont fait remonter à 3-3. Et finalement, ils ont perdu le match par la marque de 5-3. Donc, ils perdent présentement. Ils tirent de l'arrière 1-0 dans cette série 2-3. Donc, si jamais McGill réussissait par l'emporter, il se dirigerait en finale de conférence Est des sports universitaires de l'Ontario. Mais rappelons que du côté de McGill, évidemment, là, il y a le meilleur pointeur, le meilleur franc-tireur de la Ligue, Francis Véropol, qui ne joue pas. Donc, lui qui est suspendu pour une deuxième rencontre de suite, suite à son geste dans la première ronde des séries. Et si jamais cette série-là devait aller en 3, là, Véropol serait du troisième match à McGill. Et là, voilà qu'il y a première punition de la rencontre, premier avantage numérique de la rencontre aux GGs. Alors que ce sera le numéro 15,
qui va être chassé. Donc, Dano, c'est lui qui avait fait mal aux GGs mercredi soir à McGill. C'est lui qui est chassé. Donc, première occasion pour les GGs de s'inscrire au pointage. Absolument. Selon moi, c'est un moment critique dans la partie. Si on réussit à compter le premier but, comme on l'a fait lors de la dernière partie, ça va redonner confiance à la troupe de Real Paiement. Et ça va également lancer un message au McGill qu'on a surmonté la dernière partie, puis qu'on est prêt à jouer le match numéro 2, qu'on oublie la partie numéro 1. Et donc, ça sera à refaire cependant, là, puisque McGill réussit à dégager son territoire jusqu'à Russell Abbott. Les GGs devront reconstruire le tout à partir d'un gardien. Dominique Jalbert à Touchette. On remet du côté de Blain, là, et c'est Hubert Morin lui-même, le gardien des Redmen de McGill, qui réussit à dégager son territoire. Et là, on va reprendre au centre, c'est Lévesque. Rejette en lob. C'est Russell Abbott qui va quitter son filet et remettre à ses coéquipiers. La clé de la partie pour les GG sera ce soir. Si on veut battre Hubert Morin, on doit absolument le faire bouger. On a vu lors de la première partie, les trois premiers buts ont été lorsque on a fait bouger de gauche à droite Hubert Morin, ce dernier qui est un gardien d'une très petite stature et qui a pas les déplacements les plus rapides, mais qui sait bien se positionner en papillon. Donc on devrait absolument le faire bouger et marquer de vitesse autant dans le flanc gauche et dans le flanc droit. Comme on a remarqué en première partie, il y a beaucoup de retours de lancer également. Donc, le mot d'ordre sera de lancer et de le faire bouger. Puisqu'il y a un gardien d'une petite stature, comme on le sait souvent, il a tendance à être un petit peu plus rapide, mais à laisser plus de rebonds et à avoir plus de difficultés à couvrir les angles, autant du côté bas du filet que dans le haut du filet. Le Duc dans son territoire, ça mène jusqu'au centre. Va lui-même transporter cette rondelle en territoire offensif. Le tir d'Allen, c'est un retour laissé par Morin. Rondelle libre à la ligne bleue, déjà à Jalbert. À l'embouchure du filet, rondelle qui revient devant le filet. Morin ne réussit pas à maîtriser le tir de Leduc, ça touche le poteau. Et voilà, ça sera de retour à la ligne bleue. Donc première belle chance de marquer les GGs, dont touche le poteau. Et ça se poursuit alors qu'il reste une dizaine de secondes à faire à cet avantage numérique. Donc là, le tir de Leduc qui aboutit directement sur la tige. Absolument, Sinichet, c'est un excellent lancer de la pointe. Et comme j'ai dit sur la séquence précédente, on doit le faire bouger. Morin, qui était complètement à l'extérieur de son filet, n'a pas eu le temps de compléter son déplacement. Et c'était une question de pouce, sinon ça avait été 1-0 pour les GGs en ce moment. Voilà, la punition est terminée. On est de retour à forces égales. On reprend du côté de McGill. Picard Hooper laisse jusqu'à Perrien. Perrien a pris que les freins. La solide mise en échec de Carnival, qui est de retour dans l'alignement des GGs. Donc, bonne nouvelle du côté de Real Paiement. Là, il y a un aspect physique qui va être ajouté ce soir avec le retour de John Carnival. Lui qui évolue avec Forster et Voyer. La rondelle emprisonnée dans le coin, là, pas de mouvement. Donc, ça va forcer les arbitres à appeler l'arrêt du jeu. Donc, avec 9-0-3, on va reprendre avec une mise en jeu en territoire de McGill. Donc, toujours 0-0. Absolument, c'est Nichelle chez les GG jusqu'à présent. On a montré qu'on a bien rebondi de la partie de mercredi soir, pardon. Les GG semblent prêts à jouer au hockey aujourd'hui. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que maintenant, on a l'avantage de la foule chez les GG. Lors de la première partie, après le premier but, la foule semble s'être réveillée. Et cela fait mal aux GG de voir que les partisans présents étaient de retour dans la partie. Donc, ce soir, ce sera partisans des GG de jouer le même tour au Redmen. Car on sait qu'en séries éliminatoires, la foule est une partie importante sur les gagner des Martis. Donc, mise en jeu à la gauche de Morin. Et ça reviendra jusqu'à David Fouché dans son territoire. Jalbert à Blain. On contourne le filet, ça revient jusqu'à Méthode. Méthode à Blain tente de remettre devant pour Blondin. Donc, ce sera repris dans le coin de la patinoire. On bataille à 4 joueurs. Solide mise en échec de Blondin. Et là, c'est Blondin qui se fait jouer le même tour par Poirier. Poirier jusqu'à McKiernan. À Bignac. On s'amène en contre-attaque là, du côté de McGill. On remet la rondelle devant le tir. Et l'arrêt de Russell Abbott qui s'étend tout son long. Réussit à le réaliser, un bel arrêt. Possiblement 2-1 du côté des GGs. Blondin et Jalbert descendent. Le tir. C'est bloqué. Et encore une fois, le problème courant du complexe sportif. Le filet qui est déplacé. Absolument, Sinicha, comme on a vu lors des dernières parties en séries éliminatoires, également à fin de saison régulière, ce ne sont pas les ancrages les plus solides au complexe sportif Minto de l'Université d'Ottawa. Donc, cette fois-ci, c'était pas en raison du gardien, c'était le défenseur qui a tenté de couper la passe en 2-1 possible, qui a rentré dans son gardien et déplacé le filet. Malgré tout, belle contre-attaque des GGs. Et selon moi, ce sera en contre-attaque qu'on devrait gagner chez les GGs. Puisque, comme on le sait, McGill est une équipe qui est très offensive. Cette saison, on a une moyenne de 3,6 buts par partie comparativement à 5 la saison dernière. Donc, on aurait très bien joué en contre-attaque chez les GGs. Là, il y a l'officiel qui va appeler un bâton élevé.
Donc, il y aura mise en jeu en zone neutre. Donc là, tranquillement, du côté du complexe sportif, là, ça commence à se remplir. Donc, les gens qui s'amènent au complexe là, avec des conditions routières très difficiles, là, avec la neige qui a tombé ici à Ottawa. Les conditions de route sont très dangereuses, très difficiles, il faut être prudent. Et ce qui explique un peu là, pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment au complexe sportif. Miller, par la rampe. On réussit à rejoindre Chamberlain, qui laisse jusqu'à Donovan. On s'amène à 3 contre 2 du côté des GGs. Donovan, sur le flanc droit. Le tir là, qui donne possiblement difficulté à Morin. Le tir qui a dévié directement sur son casque. Et finalement, on réussit à reprendre. Morin va immobiliser cette rondelle. Là, il y aura mise en jeu à sa droite. On peut remarquer un petit peu de brasse camarade après le sifflet. Selon moi, ce brasse camarade peut jouer en faveur des GGs, comme on a parlé plus tôt aujourd'hui. Sinisha Cranbell qui est de retour dans l'alignement. Carnival, qui est de retour dans l'alignement. Un défenseur costaud qui sait comment distribuer de bonnes mises en échec. Donc, comme on a vu dans la première partie, Miller a distribué plusieurs mises en échec, sauf que cette fois-ci, avec la présence de Carnival en défensive également, c'est à penser que les attaquants des Redmen penseront deux fois avant de s'amener en zone offensive par le centre. Le tir, là, qui est dévié par Morin derrière son filet. Dano tente de sortir cette rondelle du territoire offensif. C'est bloqué par Blondin. Blondin aux prises avec le défenseur de McGill. C'était la porte. Blain, rondelle qui dévie sur Blondin, qui ne s'en attendait pas. Une solide mise en échec de Fouché face à Lévesque. Dano. Face à deux joueurs des GGs, dont Dominique Jalbert, qui réussit finalement à rejoindre Voyer. Voyer, du côté de Fouché, on va compléter la sortie de zone. Complète des changements du côté des deux équipes. Forster en échec avant. Réussit à prendre possession du disque. Remet derrière, à contre-courant. C'est Ireland qui va tenter de s'en emparer. Intercepté par McGill, qui tente de quitter sa zone. Ça reviendra à la ligne bleue. Le tir de Leduc, c'est bloqué par son propre joueur. Là, ça a dévié sur le patin de Voyer. Une sortie de zone du côté de McGill. Boisvert. Le beau jeu de la part de Ducharme. On envoie la rondelle au filet qui donne la misère à Russell Abbott, là, qui était collé contre son poteau et qui a eu beaucoup de difficultés à bloquer cette rondelle. Finalement, pas de dégâts. Miller, dans sa zone. On a jusqu'à Leduc. Leduc par la rampe. Et Ireland va simplement se contenter de faire dévier cette rondelle en territoire de McGill. Donc avec 6 minutes à faire, toujours l'égalité 0-0. Bignac tente de contourner Fouché, c'est réussi. Tire passe en avant du filet. Beau jeu de Dominique Jalbert là, qui vient d'empêcher un but certain des Redmen. Et on s'amène en contre-attaque. Chamberlain à Jalbert s'amène en attaque. Se soutirer la rondelle. Et c'est au tour de McGill de s'amener. Beau jeu là, de la part de Donovan qui conserve cette rondelle en territoire offensif. Finalement, du côté de McGill, on réussit à rejeter. Et ce sera dégagement refusé. Donc là, l'action des deux côtés, Jonathan, là, ça se transporte d'un bout à l'autre de la patinoire. Absolument. Et quel jeu de Dominique Jalbert en défensive. Alors que le joueur de McGill qui s'amenait dans le flanc gauche avait le filet complètement ouvert. McGill qui lui soutire la rondelle au dernier instant. Pas McGill, pardon, Jalbert qui lui soutire la rondelle au dernier instant et qui permet aux GGs de contre-attaquer. Malheureusement pour lui, il n'a pas été en mesure de décocher un lancer. Les enjeux à la gauche de Morin, c'est remporté par Blain. On remet devant pour Méthode, le tir qui passe tout juste au-dessus de la cage. Ça reviendra à Fouché. Et finalement, on appelle l'arrêt du jeu. Est-ce que le filet a encore été déplacé? Oui. Le gardien Morin qui semble l'avoir déplacé avec sa mitaine alors qu'il a vu que Fouché allait décocher un lancer de la pointe. Selon moi, c'est une règle à changer dans le hockey. Lorsqu'un gardien délibérément déloge le filet, ça doit absolument être une punition pour avoir retardé la partie, puisque là, chez les GGs, on avait une bonne chance de marquer. Morin, qui a vu que ses joueurs n'étaient pas placés, tout comme lui, a choisi de déplacer le filet, qui était déjà hors de ses ancrages, et comme en conséquence, on aura une mise en jeu en zone offensive pour les GGs, au lieu d'avoir une chance d'avoir un bon lancer au filet. Cette fois, mise en jeu remportée par McGill. Genet se soutirer le disque par méthode. Par la rampe, à la ligne bleue jusqu'à Fouché. La rondelle ne se rendra pas jusqu'à lui, mais beau jeu de Blain, là. Réussi à conserver la rondelle en territoire offensif. Dans l'enclave, cette rondelle va finalement se diriger entre les deux défenseurs des GGs. C'est Dominique Jalbert qui va reprendre. Il applique les freins, se met mettre en échec par Dano. Rondelle qui revient devant, là. On tentait de rejoindre le joueur de McGill, qui était parent, posté fin seul devant Abbott.
mais la rondelle ne s'est jamais rendue jusqu'à lui. Hayes traverse la ligne bleue. Il a été devancé par Donovan. Et donc, il y aura mise en jeu à l'entrée de territoire de McGill cette fois. Du côté de McGill, là, on va ramener notre premier trio composé de Wright, Picard, Hooper et Vossen. Du côté des JGs, ce sera le trio de Ireland, Boyer et Forster. Une petite surprise cette saison face aux Redmen pour les JGs. Les deux meilleurs pointeurs de la formation sont Maxime Chamberlain et Guillaume Donovan qui ont tous les deux 4 points. Alors normalement, on s'attend que ce soit les gros canons, Method, Blain, Blunden qui soient vers le haut de la liste. Mais contre le McGill, c'est plutôt le deuxième trio qui a connu des bons moments, comme tout comme lors de la première partie. Alors voyons voir si ça pourra se poursuivre. Ireland, jusqu'à Boyer. On complète la sortie de territoire. Ça mène en zone offensive. Solide mise en échec. Boyer qui encaisse bien toutefois. À la ligne bleue, le Duc tire bloqué par Vossen. Le Duc tente de lui enlever la rondelle. Et Vossen finalement aura le dernier mot. Là. Il va réussir à rejeter jusqu'en zone neutre. Et là, il y aura punition à McGill. Là, c'est Picard Hooper qui en a trop mis aux yeux de l'arbitre. Et dès que McGill va toucher à cette rondelle, voilà, l'officiel va appeler l'arrêt du jeu. Et c'est... Alexandre Picard-Hooper qui va se diriger au banc des punitions et donc deuxième avantage numérique pour les GGs avec 3.56 à faire en première période, donc très belle occasion d'ouvrir le score. Alexandre Picard-Hooper qui est un excellent joueur de hockey, mais à certains moments il a tendance à être un petit peu paresseux sur la patinoire comme on a vu sur la dernière séquence. Au lieu de prendre deux coups de patin de plus et d'essayer de soutirer la rondelle, il a tenté d'accrocher le défenseur des GGs pour avoir la possession de la rondelle. Malheureusement pour lui, l'arbitre l'a vu, a appelé la punition, donc on aura un avantage numérique pour les GGs en fin de première période. Donc, les GGs qui réussissent à remporter cette mise en jeu et on installe l'attaque immédiatement. On remet la rondelle derrière le filet. Méthode fait dos au jeu. À la ligne bleue, Jalbert. Fin de tir jusqu'à Blain. Qui remet à Jalbert. Finalement, Jalbert s'exécute le tir et touche l'extérieur du filet. Blain à Jalbert. À Touchette. Le tir de Touchette. C'est bloqué par Morin. Il n'y aura pas de retour. Un problème récurrent dans les dernières parties pour Dominique Jalbert. En avantage numérique, il a toute la difficulté du monde à rendre son lancer sur le filet. Il tente de trop vouloir en faire, de donner l'avance à son équipe. Je me répète, je sais les dernières parties, j'ai dit la même chose, mais il devra simplifier son jeu, tenter que ce soit une déviation devant le filet ou de créer un retour, puisqu'en ce moment, les lancers à côté du filet ne servent à rien pour les GGs. Et là, c'est McGill qui réussit à dégager son territoire jusqu'en zone centrale. Ça forcera les GGs à reconstruire à partir de leur zone défensive. Blain. Traverse la ligne rouge. En entrée de territoire à Méthode. Et on s'échange le disque. Méthode à l'entrée. Le tir! C'est bloqué par Morin, là. Un bon tir des poignets de la part de Mathieu Méthode. Blain à Jalbert. Il lui retourne la faveur. Le tir, c'est bloqué. Jalbert travaille du revers. On circule la rondelle du côté des GG. On cherche les angles de tir. On tente de faire bouger ce quatuor. Le tir de Blain, finalement, ça rate la cible à la droite de Morin. Lompré Poirier, le long de la rampe. On est à 4 joueurs. Là, on tente de sortir cette rondelle du coin. Réussi par Touchette. Tir de Jalbert, c'est bloqué. London tente de faire de pousser plutôt cette rondelle jusqu'à Méthode. Ça va permettre à McGill de dégager avec 19 secondes à faire. On va amener la deuxième vague d'avantage numérique pour Real Paiement. Le gardien des Redmen de McGill, Hubert Morin, me rappelle drôlement le gardien des Paladins. Un excellent gardien, mais qui, lorsqu'il est lancé de la pointe arrive, a tendance à beaucoup trop les défier. Donc, chez les GGs, ce qu'on pourrait regarder de faire, c'est, pardonnez l'anglicisme, mais un slap pass, parce que le joueur fait semblant de faire un lancer de la pointe, mais fait une passe au joueur qui sera posté derrière le gardien pour faire dévier dans le fond du filet. Et voilà, du côté de McGill, on s'amène possiblement à 2-1. Le Dano, la passe, il a été tout juste devancé en entrée de territoire par son coéquipier Lévesque. Donc là, une belle chance ratée par McGill, là, mais beau jeu de la part du défenseur des GGs qui a réussi à retarder suffisamment l'attaque de McGill pour forcer ce hors-jeu. Là. Donc avec 1.43 à faire, mise en jeu à l'entrée de territoire d'Ottawa, on va amener le trio de Guillaume Donovan.
remporté par ce dernier face à l'Angelier Parent. Miller. Darren Miller, là, qui est au courant de la dernière rencontre, a distribué deux, si ce n'est trois, mises en échec extrêmement solides aux joueurs de McGill. Là, donc, du côté de la troupe de Montréal, on sait à quoi s'attendre lorsqu'on voit le numéro 6 dans notre radar. Biniek, le long du flanc gauche, ça mène à toute vitesse. Le tir de Biniek. Un bel arrêt de Russell Abbott qui ne donne pas de retour. C'est le plus important. Et du côté des GGs, là, on va dégager le devant du filet. Être sûr qu'il n'y a personne qui touche en notre gardien. Comme on le sait, lorsque Russell Abbott est en confiance, c'est un gardien qui est très, très, très bon sur les retours de lancer, qui n'en annule pas beaucoup. Et c'est ce qu'on a remarqué lors de la première partie face au Redmen de McGill. C'est fait marquer un but qu'il aurait dû arrêter, ça l'a semblé. Le secouer un petit peu, qu'il a eu de la difficulté avec ses retours de lancer. Mais ça doit être rassurant pour son entraîneur de voir qu'en début de partie, il a de retour en contrôle de ses moyens et qu'il dispute une excellente partie. Donc on aura mise en jeu à sa droite. L'Angelier Parent face à Jean-Bernard Boyer. On attend là, du côté de Abbott, on semble avoir un problème d'équipement. Ah, c'était plutôt la rondelle là, qui était coincée. Un excellent moyen de contrôler ses rebonds, c'est d'avoir la rondelle dans ses jambières protectrices. Tout à fait, là, donc on a attendu plusieurs instants avant que finalement on réussisse à dégager cette rondelle en dessous de l'équipement de Russell Abbott et on reprend l'action. Mise en jeu remportée par McGill. Fouché le long de la rampe pour Carnival. Il a tenté de rejoindre Boyer, ça a été avorté par Picard Hooper. Dans l'enclave, il a tiré le but! Vossen sur une passe de Picard Hooper. Russell Abbott n'y a vu que du feu et c'est 1-0 McGill en fin de première période, là, un but qui pourrait faire mal. Absolument, c'est dommage. On a Carnival qui est de retour au jeu aujourd'hui qui a tenté de faire une passe à l'aveuglette pour sortir de son territoire. Malheureusement, le joueur des Redmen l'a intercepté qui a servi une très belle passe dans l'enclave au capitaine des McGill qui a décoché un lancer dans la partie supérieure. Russell Abbott n'y pouvait rien. Et comme tu as mentionné, Sinisha, un but en fin de période comme ça peut faire très mal à la troupe de Real Paiement. Voilà, non. On y va avec le trio de Ireland, Boyer et Forster là, après ce but de McGill. Là, on va tenter d'amener un peu d'énergie en fin de période du côté de Real Paiement là, pour secouer la troupe. Par la rampe, Ireland jusqu'à Boyer. On s'amène en contre-attaque à pleine vitesse. Jean-Bernard Boyer sur le flanc droit. Tenter une passe en retrait là, pour Ireland. Ça revient finalement à Leduc, fin de tir. Finalement, on voit cette rondelle au filet. C'est dévié, ça déviera par-dessus la cage de Morin. Par la rampe. Dano face à Leduc. Donc, avec une vingtaine de secondes à faire, l'action se passe en zone centrale. Là. Il y a eu un bâton élevé. L'arbitre siffle l'arrêt du jeu. Avec 13,2 secondes à faire, il y aura mise en jeu en territoire de McGill. Donc là, du côté des GG, on aura peut-être la chance d'avoir une dernière attaque si jamais on réussit à remporter la mise au jeu. Absolument, Sinichu, on peut voir que Real Paiement a envoyé Dominique Jalbert, qui a un excellent lancé de la pointe, touché à la mise en jeu. Voilà, Jalbert envoie cette rondelle au filet, ça reviendra à Fouché, peut-être le temps d'un dernier tir, c'est bloqué. Et là, il y aura la course entre Biniek et Abbott. Abbott va prudemment envoyer cette rondelle derrière son filet. Et là, il y a Abbott et Biniek là, qui se donnent des coups. Abbott n'a pas du tout apprécié le fait que Biniek... Et c'est Biniek finalement qui va être chassé. Selon les gestes de l'arbitre, là, Abbott ne sera pas puni. Il semblerait que ce soit uniquement Biniek qui va être chassé pour coup de bâton à l'endroit du gardien des GGs. Donc on n'a jamais vu un Russell Abbott aussi furieux, Jonathan. Absolument pas. Russell Abbott qui normalement est en contrôle de ses moyens. Mais là, vraiment, il voulait lancer un message à ton équipe qu'en fait, première période, on perd 1-0 dans une partie décisive qu'on doit absolument se réveiller. Il a pris les choses en main, c'est le cas de le dire. Il n'a pas aimé le coup salaud que lui a distribué Biniek derrière le filet alors que la période était terminée. Il n'y avait aucune raison de faire ça. L'horloge s'était déjà écoulée jusqu'à zéro. Alors, en début de deuxième période, les GGs qui commenceront la période en avantage numérique. Donc, une excellente chance d'écrire l'égalité. Voilà, après 20 minutes de jeu là, ici au complexe sportif de l'Université d'Ottawa, c'est les Redmen de McGill 1, les GGs de l'Université d'Ottawa 0. Donc, on vous invite à nous revenir en début de deuxième période là, où là, on sera là pour le tout début et pour la suite de ce match entre McGill et Ottawa.
Alors, sur cette musique de M&M, nous voici en direct du complexe sportif Minto de l'Université d'Ottawa. On est de retour pour la suite de cette rencontre entre les Redmen de McGill et les GGs de l'Université d'Ottawa. Les Redmen ont pris les devants 1-0 en mi-chemin là, de la première période. On sait qu'ils mènent déjà 1-0 dans cette série, là, donc ils pourraient mettre fin à cette confrontation ce soir. Et là, en début de deuxième période, les GGs vont avoir la chance d'évoluer en avantage numérique. Puisqu'en fin de première période, là, Russell Abbott a reçu un coup de bâton du joueur des Redmen, qui est présentement au banc des punitions. Donc, Jonathan, là, si on fait rapidement un retour sur cette première période, quelles sont les statistiques intéressantes? Bien, malgré une avance des Redmen, c'était une première période chaudement disputée. 8-8 les lancers pour les deux côtés, les mises en échec. 16-12 pour les GGs, donc on joue du hockey très physique une fois de plus chez les GGs. Également, les chances de marquer qui sont seulement 5-3, donc ça va être une première période très chaudement disputée. Les GGs tenteront de créer l'égalité en début de deuxième période. Blin, à Jalbert, là. Stratégie intéressante, là. Du côté des GGs, oui. on revient avec, plutôt, on essaie d'utiliser le Duc, là. Avec Jalbert à la pointe, plutôt que Touchette ou bien... On sait que Burns est blessé. On utilisait Crumbler. Ah, là, beau jeu de la part de l'Angelier Parent, là, qui va possiblement s'échapper. Voilà. L'Angelier Parent le tire. Et l'arrêt de Russell Abbott. Et un beau repli. Un beau repli en défensive de la part de Leduc également. Tu m'as volé les mots de la bouche. C'est un excellent repli de Leduc qui a soulevé le bâton du joueur de McGill tout juste avant qu'il décoche un lancer, que Russell Abbott a pu effectuer un arrêt avec la jambière. Donc, on l'a évité de peu chez les GGs. Maintenant, c'est toujours 1-0. Il nous reste toujours 50 secondes en avantage numérique. Alors, aucun dommage a été fait, heureusement, pour les GGs. Mise en jeu à l'entrée de territoire de McGill. L'entrée Poirier face à Donovan. C'est remporté par le joueur de McGill. Voilà là, que Alexandre Touchette est de retour à la pointe avec Jalbert. Et là, on a amené la deuxième vague avec Donovan, Chamberlain et Ireland. Chamberlain laisse filer jusqu'à Donovan. Jalbert. C'est plutôt Ireland. Chamberlain. Au haut du cercle des mises en jeu. Remet jusqu'à Jalbert qui lui retourne la faveur. Passe soulevée. L'embouchure du filet. Donovan remet devant le tir. L'arrêt de Morin. La rondelle est derrière le filet. Un beau jeu de la part de Donovan. En tombant, réussit à rejoindre Jalbert. Un tir avec pas beaucoup d'angle de Chamberlain. Et là, voilà, McGill qui s'amène à 2-1. Vassen, auteur du premier but, qui s'amène avec Lompré Poirier face à Dominique Jalbert. Beau jeu de la part du joueur des GGs. Beau jeu, là, de Dominique Jalbert qui a complètement contré ce 2-1 et a empêché McGill de profiter d'un tir à l'endroit de Russell Abbott. Ça permet aux GGs de poursuivre l'attaque. Et là, encore une fois, on s'amène là, du côté de McGill, cette fois à 3, possiblement 4-1. Le tir et le but! Terrien, sur une mise en scène parfaite de la part d'Alexandre Picard-Hooper, n'a eu qu'à loger cette rondelle dans une cage béante et c'est 2-0 McGill. Donc, deuxième revirement sur cet avantage numérique qui a coûté cher. Absolument, c'est une chance. C'est amené à 4-1 chez McGill. On voit très rarement ça au hockey. Alors, on a su capitaliser. Maintenant, c'est 2-0. Le défenseur qui était... Jalbert, Fouché, a tout tenté pour bloquer la passe. Malheureusement, il a été incapable. Un lancer décoché sur réception dans la partie supérieure du filet. Et aussi rapidement que ça, c'est rendu 2-0 McGill. Alors, chez les GGs, on se doit de riposter bientôt. Sinon, ça pourrait être la fin de notre saison, comme on l'a mentionné plus tôt. Effectivement, là, donc, sur une deuxième descente, sur un deuxième surnombre plutôt créé dans le avantage numérique des GGs, McGill qui réussit à en profiter pour doubler son avance. Et là, ce sera d'autant plus difficile pour la troupe de Real Paiement d'effectuer un retour dans cette rencontre, là, puisqu'on sait que les Redmen sont durs à battre. Ils sont encore plus durs à battre lorsqu'on tire de l'arrière. Absolument, mais il reste à voir si les GGs pourront jouer au McGill. Le tour qu'ils ont fait jouer lors de la première partie, c'est-à-dire de revenir de l'arrière lorsqu'on tire en milieu de deuxième période. Par contre, chez les GGs, ce qu'on se doit dire, c'est que c'est pas fini. On a encore amplement de temps. Il reste encore 37 minutes de jeu. Donc, c'est pas impossible. On l'a prouvé lors de la première partie qu'on pouvait marquer des buts. On doit se concentrer sur ça. Et on doit se concentrer également de revenir en défensive pour pas créer trop de surnombres, puisque ce sera pratiquement impossible pour Russell Abbott de le garder dans la partie s'il a d'autres surnombres à 4-1. Blin réussit à rejoindre Blondin. Passe par la rampe à Leduc.
complète l'entrée de territoire, a tenté de refiler cette rondelle jusqu'à Méthode. Ça reviendra. Mathieu Méthode le tire, l'arrêt de Hubert Morin, qui est étendu tout son long, vient de voler un but à Mathieu Méthode. Méthode qui a eu de la difficulté à saisir le disque puisqu'il devait travailler dos au jeu. Un tir de Leduc s'est bloqué devant. Ça reviendra à Boisvert. Boisvert, longue passe. C'était pour Ducharme, mais c'est trop long. Ça ira jusqu'à Leduc. À Méthode, à Blain, en entrée de territoire. Blain qui réussit en plongeant à la rejoindre. Blondin le tire! Ça touche l'extérieur du poteau. Un violent tir là, des poignets de la part de Blondin qui a failli tromper la vigilance. Cette fois, c'est Blain! Le tire! Ça revient devant! Et l'arrêt! Désespérément de McKiernan qui vient de sauver un but. Morin était battu sur la séquence de cette rondelle. Se dirigeait tranquillement derrière le filet. À l'embouchure. Et les GGs menacent. Et là, heureusement, là, Crandall a réussi à stopper partiellement Boisvert qui s'en allait filer seul face à Russell Abbott. Quelle séquence du trio de Luc-Olivier Blain. Alors qu'on venait de se faire marquer un but qu'on semblait à côté sur le mur. Le premier trio de relèvement qui vient, qui fait un excellent travail. On a eu 2-3 occasions sur cette dernière séquence de réduire l'écart de moitié. Malheureusement pour les GGs, on a été incapables. Par contre, on doit bâtir sur cette dernière séquence offensive. Et puis, ça l'a démontré que McGill, oui, c'est une excellente équipe, mais c'est pas une équipe qu'on ne peut battre. À la droite de Russell Abbott, c'est Touchette. McGill menace le long pré-poirier derrière le filet. Cherche une option de passe. Laisse derrière lui. Est accueilli par une solide mise en échec de Fouché. C'est Wright. Il va s'amener à toute vitesse sur cette rondelle. Remet dans l'enclave pour l'Empré Poirier. Un tir qui a été bloqué. Fouché par la rampe. Au centre, la porte. Il s'est tiré la rondelle par Chamberlain, mais Donovan était déjà en territoire de McGill. La confusion là, entre les deux défenseurs de McGill. Ça permet aux GGs de reprendre. Donovan cherche une option. Remet à Chamberlain. Le tir à la but! Maxime Chamberlain! Qui vient réduire l'écart à 2-1 sur une pièce de jeu parfaite de la part de Guillaume Donovan. Et soudainement, on a un nouveau match. Quel échec avant de la part des joueurs des GGs. On l'a mentionné plus tôt dans la partie. S'il y a une faiblesse chez les Redmen de McGill, c'est la défensive, tout comme chez les Patriots. Des équipes sont axées sur l'offensive. Ici, on s'est amené en échec avant à deux joueurs. On a créé un revirement. On a servi une excellente passe, un lancer décoché dans la partie supérieure du filet, qui a touché le poteau avant de se retrouver dans le fond du filet. Comme tu l'as si bien dit, Sinisha, we've got a whole new ball game. On est de retour dans la partie chez les GGs, alors on doit bâtir sur ça. Et on doit tenter de créer l'égalité immédiatement. On en parlait, là, Maxime Chamberlain, qui était le meilleur pointeur des GGs face à ces Redmen de McGill. Il poursuit son excellent travail et vient d'inscrire son deuxième filet dans cette série. On sait qu'il avait marqué un but à McGill. Et là, voilà qu'il redonne espoir aux GGs là, d'inscrivant la troupe d'Ottawa au pointage. Donc là, je pense, du côté de Real Paiement, là, c'est le genre de réaction qu'on attendait. On voulait immédiatement lancer un message à McGill comme quoi ce match-là n'est pas terminé et puis qu'on n'a pas l'intention de jeter la serviette. Absolument, Sinisha. Et tout ça a commencé lors de la présence du premier trio sur la patinoire. On a écrit plusieurs bonnes chances de marquer. Paiement a ensuite envoyé son deuxième trio dans la mêlée, ce qui a permis de réduire l'écart de moitié. Maintenant, c'est 2-1. On est de retour dans la partie et puis on peut voir que les joueurs des GG sont en confiance. Voyez, il a tout juste devancé cette rondelle à la ligne bleue de McGill. Donc, il y aura mise en jeu en entrée de territoire. On va compléter les changements du côté des deux équipes. Voyons voir qui Real Paiement décidera d'envoyer dans la mêlée. Immédiatement, là, on réplique avec notre premier trio. La force de frappe, Méthode Blain, Blondin, flanqué de qui d'autre que Dominique Jalbert et David Fouché. C'est intéressant de voir Méthode embarquer sur la patinoire. On peut voir dans ses yeux que c'est un guerrier puis qu'il veut remporter cette partie à tout prix. Puisqu'on vous le rappelle, on va vous le rappeler tout au long de la partie. C'est possiblement sa dernière partie en OUA pour le capitaine des GGs. Jalbert travaille derrière son gardien. Remet jusqu'à Blondin cette rondelle dévie sur l'officiel. Et là, ça permet à McGill de reprendre. Dano le tire. Qui donne passablement de difficulté à Abbott et le but. Dano profite d'un mauvais retour de la part de Russell Abbott. Et immédiatement, McGill reprend son avance de 2 buts. Un but qui n'aurait jamais dû se produire. Russell Abbott, qui avait un arrêt relativement facile à effectuer, il a été incapable de garder la rondelle en sa mitaine. Un retour de lancer devant le filet que les défenseurs des GGs ont été incapables de balayer. Et aussitôt qu'on l'a dit, les Redmen reprennent une avance de 2 buts. Du côté de Real Paiement, on essaie d'apporter des changements. On va ramener le trio d'Alexandre Touchette, Chamberlain et Donovan. Parce que c'est eux qui nous ont inscrits au pointage. Voyons voir là, si on va être capable de répliquer encore une fois immédiatement.
Ils se rapprochaient à un but, quoi qu'il en soit, là. Un but aussi rapide de la part de McGill, là, c'est ça peut briser ce tempo que les GGs étaient en train d'imposer. Bourgeois. Il reste derrière lui. C'est rappelé par Chamberlain, malheureusement. Il a poussé cette rondelle trop loin devant lui. Belzile. Repris par Chamberlain. La rondelle est libre. Le tir et le but! Bignac profite d'un revirement en territoire d'Ottawa. Et soudainement, c'est 4 à 1. Alors qu'on croyait il y a quelques instants là, une remontée des GGs. Et bien voilà qu'en l'espace d'une vingtaine de secondes, McGill vient de mettre ce match presque hors de portée d'Ottawa. Absolument, c'est un but qui fait extrêmement mal à la troupe des GGs, puisque comme tu l'as mentionné, on s'était remis dans la partie, on avait réussi à réduire l'écart à un seul but. Maintenant, Réal Paiement qui va demander vraisemblablement un temps d'arrêt. Non, pardon, pas de temps d'arrêt, c'est ce qu'on croyait. Il décide de faire confiance à son premier trio. Question d'arrêter l'hémorragie. Bien maintenant, c'est le... Finalement, Paiement qui demande un temps d'arrêt. On a terminé par l'avoir. Donc, maintenant, chez les GGs, la clé sera de se calmer. On s'est fait jouer le tour lors de la première partie. Maintenant, ce qu'on doit dire, c'est qu'on doit jouer maintenant le tour aux GGs, puisque non seulement notre saison en dépend, mais la carrière de notre capitaine également, qui une fois de plus, je me répète, en est à sa dernière partie, a donné une défaite. Alors, chez McGill, les entraîneurs doivent être extrêmement contents qu'ils soient en mesure de revenir de marquer deux buts rapides après qu'on ait vu les GGs s'inscrire à la marque de pointage. Alors, c'est pas le scénario espéré pour les GGs. Voyons voir comment ils répliqueront. Du côté d'Ottawa, là, on va tenter d'aller chercher toute l'énergie et toute la force physique qu'il nous reste là, pour du moins essayer de revenir dans cette rencontre là, et donner tout ce qu'on a pour notre capitaine Mathieu Méthode, qui au courant des quatre dernières années a apporté énormément à ce programme, à cette équipe. Et il est tellement dévoué, Mathieu Méthode, là, que parions que ce ne sera pas trop dur du côté d'Ottawa de ne pas abdiquer et pousser jusqu'à la fin, si ce n'est du moins pour lui montrer là, qu'on est là pour lui et que on n'a pas l'intention d'abandonner. Rondelle dévie, ça ira derrière Russell Abbott. Repris par Lévesque. Reste quand même beaucoup de temps à ce match de hockey là, avec 12-50 à faire en deuxième période. McGill qui mène 4 à 1, rappelons-le. Ce tir là, qui dévie, qui rate la cible de justesse. Ça ira à Blunden. Blunden un tir de loin, facilement bloqué par Morin, donne un retour. On laisse à Méthode. En contre-attaque. On a pris que les freins. On tente de remettre devant, c'était Boisvert. Finalement, ça revient à la ligne bleue. Le tir, ça rate la cible à la droite d'Abbott. Cette fois-ci, là, le gardien d'Ottawa ne prendra pas de chance. Il va immobiliser le disque. Il va tenter de refroidir les ardeurs des joueurs de McGill là, qui sont partout sur la glace présentement. Absolument, les joueurs de McGill qui nous démontrent pourquoi ils sont classés deuxième au Canada. Non seulement premier en Ontario, mais également deuxième au Canada, derrière l'Université du Nouveau-Brunswick. Alors, c'est absolument une machine de hockey, comme le terme un petit peu familier le dit. C'est des joueurs qui ont tous déjà évolué dans la Ligue junior majeure du Québec, ou presque tous, qui ont tous joué à des hauts niveaux, que ce soit junior 3A. Ce sont des joueurs qui savent comment jouer au hockey, et la majorité sont des joueurs qui étaient à caractère offensif. Plus de partout ils ont joué, alors ce sont une équipe qui a extrêmement beaucoup de profondeur. Ce qui est un petit peu différent des GGs, c'est les GGs, on a deux très bons trios. On a deux trios plutôt défensifs. Alors, selon moi, jusqu'à présent dans la série, c'est ça la différence entre les deux équipes, c'est la profondeur et les troisième et quatrième trios qui sont capables de marquer des buts chez les Redmen. On rejette la rondelle profondément en territoire des GGs. Forster. Laisse derrière lui pour Voyer. Voyer tente de rejoindre Ireland, c'est trop long. Bignac jusqu'à la porte. La porte rejette en lob à la droite d'Abbott. C'est repris par Voyer. Voyer tente une passe par la rampe à Ireland. Les DJs vont être forcés de revenir dans leur territoire. Et là, on siffle l'arrêt du jeu. On ne sait trop pour quelle raison. Mais quoi qu'il en soit, il y aura mise en jeu en entrée de territoire d'Ottawa avec 11-22 à faire en deuxième période. On amène le trio de Mathieu Méthode. Non, plutôt c'était Blain. Là. C'est Blain qui va effectuer une présence avec Hayes et Carnival. Donc là, on va essayer de faire jouer Luc-Olivier Blain sur deux trios. On va donner du temps de glace à notre centre numéro 1.
Les enjeux remportés par l'Angélie Parent. Jalbert à Hayes, ça revient à Blain. Rondelle amortie par le joueur de McGill. Blain derrière le filet. Remet devant pour Hayes. Ça a été flairé par Bourgeois. Il intercepte ce disque. Le Carnival là, vient de lui appliquer une solide mise en échec. Blain réussit à pousser cette rondelle en territoire de McGill. Conserve cette rondelle tout juste à l'entrée de territoire. Bataille férocement pour la possession du disque. Finalement, Bourgeois, du côté de l'Angélie Parent, du revers, Adano. Et c'est Fouché qui va reprendre dans sa zone. Fouché s'amène jusqu'au centre. Il va de quelques feintes. Il va décider de s'amener en territoire offensif. Il est attendu de pied ferme là, par les joueurs de McGill. Touchette face à Dorion. Touchette à l'angle de la tire de Donovan. Un bel arrêt de la part de Morin qui s'est avancé très loin devant là, pour dévier ce tir. Et voilà l'Angélie Parent le tir. Cette fois-ci, Abbott ne donne pas de retour. Et là, il y a Wright qui applique une mise en échec à Donovan. Il va avoir une punition. Est-ce que c'est le joueur des GG's qui va être chassé? Il semblerait que ce sera Alexandre Touchette. Il va aller s'asseoir au banc des punitions pour 2 minutes pour coup de bâton. Donc, il y aura mise en jeu, ou plutôt avantage numérique. McGill est mise en jeu en territoire d'Ottawa. Alors, c'est pas le scénario espéré chez les GG's. Un déficit de 3 buts. Et également, on devra jouer avec un homme de moins face à une des meilleures équipes au pays, comme on a dit. Puis, comme on a pu remarquer sur la dernière séquence, les Redmen, pardon, qui vont adopter un style de jeu très défensif maintenant. Dans leur tête et dans la tête de leur personnel d'entraîneur, on a déjà marqué assez de filets pour remporter la partie. Alors, on doit seulement pas en allouer 3. Alors, on peut s'attendre à avoir du jeu extrêmement défensif de la part des Redmen. Blain. Qui dégage son territoire sans équivoque. Il va aller au banc des siens, là. Compléter un changement, on amène Paul Forster dans la mêlée. Dorion à Vasson. Par la rampe. C'est intercepté par la porte à la ligne bleue. Forster reprend. Rejoint jusqu'à méthode. On va se contenter de rejeter ce disque en territoire de McGill et on va compléter les changements du côté de Réal Paiement. On va emmener 3 nouveaux joueurs sur la patinoire. Dorion à l'ombre Poirier, là, il est attendu de pied ferme par Donovan à la ligne bleue. Donovan saisit du gant. Finalement, ça revient en territoire des GG's. Longue passe, ça ira à Cranbill. Cranbill le tire, c'est bloqué par Dorion. Morin quitte son filet. Laisse pour Marc-André Dorion. Le défenseur offensif des Redmen. C'est Bignac qui s'amène cette fois en territoire des GG's. Le tire. Facilement capté par Russell Abbott. Avec 9-0-3, on va reprendre en territoire d'Ottawa. 45 secondes à faire à la punition Alexandre Touchette. Alors, on peut remarquer que le dernier but des Redmen semble avoir complètement coupé le souffle des joueurs des GG's. On n'a plus aucune énergie sur la patinoire. Ça va prendre soit une grosse mise en échec ou une chance de marquer pour redonner vie à l'équipe qui, en ce moment, on dirait qu'ils attendent seulement que les 30 minutes s'écoulent puis que leur saison soit terminée. On doit jouer avec un petit peu plus de, pardonnez l'anglicisme, desperation. Donc, avec l'énergie du désespoir, oui. C'est ce que les GG's vont tenter de faire d'ici la fin de la rencontre, là. Et c'est quoi? Ils vont devoir exécuter cette mission défensive tout d'abord en tuant cette punition Alexandre Touchette. Un tir, là! Un tir passe de McKiernan qui a été dévié devant le filet. Russell Abbott a été vigilant et a réussi à effectuer un bel arrêt aux dépens du joueur de McGill, l'Angélie Parent. Donc on ramène immédiatement Luc-Olivier Blain dans la mêlée. Avec Stephen Blunden cette fois. Les enjeux remportés par McGill, mais si bien que cette rondelle va se diriger en zone neutre. McKiernan et Genet vont s'échanger la rondelle. McKiernan franchit la ligne rouge et rejette en territoire d'Ottawa. Abbott quitte son filet. C'est Miller. Par la rampe a tenté un dégagement, là, mais ça s'est retrouvé chez les spectateurs. Il y aura mise en jeu en territoire d'Ottawa. Reste 2 secondes à faire à cette punition Alexandre Touchette, donc tout juste le temps de la mise en jeu. On va voir quelle sera la stratégie de McGill. Est-ce qu'on va reculer un joueur pour tenter de freiner si jamais les GG's remportent la mise en jeu? Ils vont tenter de lancer la bombe à Alexandre Touchette.
C'est méthode plutôt. Et on a tenté le beau jeu de Bourgeois qui a flairé le tout. Sinon, Mathieu Méthode aurait pu filer seul face à Morin. Tu as très bien eu la stratégie des GGs de Sinisha. On a tenté d'aller avec la longue passe pour créer un échappé. Mathieu Méthode, le capitaine qui est sorti du banc tout juste lorsque la punition de Touchette a pris fin. Malheureusement pour les GGs, le défenseur des Redmen l'a bien lu et a arrêté le jeu. Donc on a eu une mise en jeu en zone neutre. Le long de la rampe. On bataille férocement pour la possession du disque. Jalbert reprend à Méthode. Méthode qui se débarrasse là, de la porte avec un solide coup d'épaule. Lévesque laisse derrière lui, c'est repris par Fouché. À Blin. Le Blin qui se fait soutirer la rondelle par le bon travers en défensive de Lévesque. Hors-jeu à retardement du côté des GGs, là, on ne semblait pas avoir entendu l'arbitre. Méthode. Le tir de Méthode, là. Un tir violent qui a donné beaucoup de difficultés à Morin. Il a réussi à bloquer tout de même. Méthode qui tarde à se diriger au banc, là, donc il effectue une présence courte sur le trio de Touchette et Donovan. Le tir de Leduc, là, bloqué avec Morin avec beaucoup de circulation devant lui. On a remis devant le tir de Touchette qui a raté la cible de justesse. Morin réalise quelques beaux arrêts là, sur la séquence. Il gardait l'avance de 3 buts pour son équipe. Le long de la rampe, ça reviendra à Chamberlain jusqu'à Leduc. Le Duc envoie cette rondelle au filet, trop faible, ça a été facilement bloqué par le joueur de McGill. Le Duc, longue passe, ça ira à Chamberlain. Chamberlain, en lob, repris par Touchette. Touchette qui réussit à enlever ce disque à Bourgeois. Tente de couper devant, ça reviendra à Jalbert. Le tir, c'est bloqué. Ça ne se rendra jamais jusqu'au filet. Et c'est l'Angelier Parent qui s'amène en contre-attaque et Duravert va simplement rejeter le disque jusqu'à Russell Abbott. Qui lui-même a tenté une passe jusqu'à Chamberlain. Finalement, ça va réussir à aller jusque lui. Chamberlain face à Vossen. La rondelle ira à Picard-Hooper. Picard-Hooper harcelé par le travail de Chamberlain. Réussit à rejoindre Vossen. Beau jeu de Chamberlain qui réussit à conserver sa disque en territoire offensif, possiblement 2-1. Arlen le tire avec pas beaucoup d'angle. Ça a raté la cible. Jalbert, avoyé. À Jalbert. Tire passe à l'embouchure du filet. Forster va tenter de conserver sa disque en territoire offensif. Finalement, McGill réussit à dégager jusqu'en zone neutre, mais quelques belles présences là, de la part des GGs. Au moins, terminer la deuxième période là, en force, au moins pour envoyer un message à McGill comme quoi on n'a pas abdiqué. Et puis qu'on va continuer de pousser même si l'écart est de 3 buts. Absolument, on a pu voir que lorsqu'on met de la pression sur les défenseurs en zone défensive des Redmen, ils ont tendance à paniquer et à créer quelques revirements. On a eu une excellente chance de marquer sur un 2-1 avec Ireland qui a opté pour le lancer au lieu d'aller pour la passe. Donc selon moi, le mot d'ordre de Real Payment sera mis en échec à 2, possiblement même à 3 joueurs dans le but de créer des revirements puisque le premier but a été marqué de cette façon et on vient d'avoir 2 bonnes chances de marquer cette dernière séquence en raison de l'échec avant également. Forster qui s'amenait sur une longue passe de son défenseur, mais c'était trop long justement. Forster n'a plus profité d'un tir à l'endroit de Morin. On tourne les filets, on remet devant, c'est bloqué. Donc voilà, il reste 5 minutes à faire à cette deuxième période. On vous rappelle que les Redmen de McGill ont pris une avance de 3 buts, ils mènent présentement 4-1. Vous voyez, à Méthode. Méthode le long de la rampe tente de déborder McKiernan. Laisse derrière lui pour Leduc qui est profondément en territoire de McGill. Leduc qui se porte à l'attaque. C'est Blin là, qui prend sa place en défensive. Beau jeu de Blondin. Réussit à rejoindre, du moins pour un instant, Méthode. Donc encore une fois, belle présence du premier trio. Miller, beau jeu. Il réussit à soutirer la rondelle à l'entrée Poirier. Lévesque. Leduc qui s'amène en attaque. A été devancé. Blin est forcé de revenir sur ses pas. Longue passe. Là, on avait confusion à la ligne bleue de McGill. Là, et on ne pouvait s'amener en territoire offensif. C'est pour ça que Luc Olivier Blin a retardé son jeu. Blin à Chamberlain. Chamberlain pousse derrière le défenseur Genet. Pour lui-même. Toujours Chamberlain. À Donovan, à la ligne bleue. À Fouché. Jusqu'à Jalbert. Tire passe pour Chamberlain. À l'embouchure du filet. Dans son déplacement, Morin a fait bouger le filet, mais il n'est pas sorti de sa mort. Et voyez, il y aura punition à McGill. Donc, cette belle présence du premier trio, poursuivie par le trio de Touchette, Chamberlain et Donovan, va forcer une punition à McGill. Donc, en fin de deuxième période, on va avoir la chance de réduire l'écart avec un avantage numérique.
Absolument. On joue du bon hockey chez les Gigis depuis quelques minutes maintenant. Tout a débuté avec de l'excellent échec avant. Maintenant, en fin de deuxième période, on a une chance d'aller en avantage numérique et de réduire l'écart à deux buts avant le début de la troisième période. Et du même coup, d'envoyer un message aux joueurs des Redmen que cette partie n'est pas terminée. Puisqu'on peut remarquer que depuis un certain temps, les joueurs des Redmen qui jouent avec moins d'inspiration, qui ont plus tendance à bafouiller avec la rondelle. Donc, on doit capitaliser sur ses chances chez les GGs. À la gauche de Morin, Donovan. L'Angelé Parent. Ireland a tenté une passe dans l'enclave. Et là, c'est l'Angelé Parent qui va s'échapper. Soutire la rondelle à Leduc, à Jalbert et le but! L'Angelé Parent qui a fait mal paraître la défensive des GGs. Et voilà. Je crois que ce but-là va clore tout espoir des GGs de revenir dans cette rencontre, là, même s'il reste encore beaucoup de temps à faire. Alors, c'est l'histoire de la partie jusqu'à présent. Les GGs qui mettent de la pression, en mettent un peu trop pour tenter de créer quelque chose. On a un surnom chez les Redmen de McGill et on fait payer les GGs avec un beau lancer dans la partie supérieure lors d'un échappé. Mais comme tu as mentionné, Snisha, je crois que la partie est terminée en ce moment chez les GGs. Ça va être très difficile de revenir de l'arrière et marquer 4 buts pour créer l'égalité et 5 pour prendre les devants en seulement 23 minutes de jeu. Mais bon, c'est des choses pires sont déjà arrivées que ça, alors on ne sait pas ce qui peut se traduire. Mais les chances des GGs de revenir de l'arrière sont très minces. Le plein a été accroché à l'entrée de territoire là, devant l'arbitre. Il a décidé de fermer les yeux. Sans équivoque, Bourgeois dégage son territoire jusqu'à Russell Abbott. C'est le Duc qui va reprendre avec 1 minute 15 à faire à la punition de McKiernan. Le Duc contourne le défenseur de McGill qui ne lâche pas. Toujours le Duc. Ablin. Réussit à rejoindre son défenseur, le tire, ça rate le filet. Blondin bataille pour la possession de la rondelle. Le Duc, beau jeu, réussit à conserver cette rondelle en territoire offensif. Méthode. À le Duc, le tir, ça rate le filet. Rondelle qui revient devant. Et du côté de McGill, on a réussi à balayer le devant du filet. Tout juste assez pour éviter que les GGs poussent cette rondelle au fond de la cage. Et on aura mis en jeu à la gauche de Morin avec 2:34 à faire. Alors, en deuxième période, Hubert Morin qui joue de l'excellent hockey, qui a effectué plusieurs beaux arrêts, et dont un sur cette dernière séquence sur Luc-Olivier Blin qui était posté à l'embouchure du filet, qui a tenté de prendre un retour de lancer de le faufiler dans la partie supérieure. Mais Hubert Morin, a fait l'arrêt avec la jambière, et c'est toujours 5-1 pour les Redmen. Encore une fois, l'Angelé Parent qui bataillait férocement pour ce disque en entrée de territoire. Et là, il y aura punition. Je pense que c'est Crandall qui va être chassé pour avoir retenu. Oui, donc effectivement, là, donc c'est ce qui va venir annuler ce 40 secondes qui restait à la punition à McKiernan. On va jouer à 4 contre 4 pendant 40 secondes et par la suite, McGill va bénéficier d'un avantage numérique. Donc l'Angelé Parent, là, Jonathan, qui même dans le match à McGill, effectue de l'excellent boulot en désavantage numérique qui cause passablement de troubles à la défensive des GGs. Excellent, exactement. C'est un joueur qui a beaucoup de cœur. C'est un joueur dont chaque équipe aimerait avoir un joueur de ce calibre qui, lorsqu'on est en désavantage numérique, va être le premier qui va se porter bénévole pour bloquer un lancer, pour aider son gardien ou dégager le devant du filet. Quand on a pu voir cette dernière séquence, il a réussi à faire soutirer une punition au joueur des GGs. Alors, c'est un joueur qui, malgré... Même si ce n'est pas le joueur qui va marquer le plus de points, c'est un joueur qui va aider son équipe à gagner par son excellent travail. À la ligne bleue, le tir de Terrien, bloqué par Abbott. Il y a rondelle libre devant. Lompré Poirier. Et on lève les yeux une fraction de seconde et c'est Carnival qui va reprendre. Carnival face à Terrien, tir facilement bloqué par le défenseur de McGill. Belzile jusqu'à Picard Hooper à Lompré Poirier. Lompré Poirier. Le tir, c'est bloqué par Abbott. Longue passe de Carnival. Il tentait de rejoindre Touchette. Intercepté par Dorion. Prudemment, va remettre derrière lui pour son défenseur Genet. Picard Hooper. Entrée de territoire exécutée à merveille par McGill. S'installe facilement en territoire d'Ottawa. Wright. Tentait une passe pour Picard Hooper. Finalement, c'est Touchette qui intercepte et Miller qui reprend.
Et là, qui rejette jusqu'à Morin. On annonce la dernière minute de jeu en deuxième période. Voilà justement l'Angelé Parent là, qui a porté un dur coup aux GGs. Picard Hooper. Wright là, qui a perdu pied pendant quelques instants. Finalement, se relève rapidement. Permet à son équipe de poursuivre l'attaque. Tire de McKiernan, bloqué par Abbott. Il donne pas de retour. Il y a quelques bousculades là, après le sifflet, mais ça n'ira pas plus loin. Là. Et on voit Jonathan du côté d'Ottawa, là, les mines sont basses. Absolument, c'est très compréhensible. En première ronde des séries éliminatoires, on a causé en quelque sorte une surprise en défaisant le collège Nipissing qui était classé au troisième rang. On s'est rendu à McGill avec beaucoup d'espoir. On a très bien débuté la partie, on a pris une avance de 3-0. Mais depuis 7 ans, les buts sont 10-1 en faveur des Redmen de McGill. Alors, c'est un scénario qui est très semblable à la saison dernière. Alors que les GGs avaient une avance de 1-0 lors de la première partie à McGill pendant pendant longtemps lors du match numéro 1. McGill a marqué 2 buts pour remporter la partie 2-1 en fin de match. Et puis à Ottawa qui ont complètement sorti les GGs de leur plan de match en les défaisant 7-1 ou 7-2 si je ne m'abuse. Alors, un scénario très identique à la saison dernière. Oui, donc plus ça avance, plus ça se ressemble pour les GGs face aux Redmen. On ne réussit pas à trouver une formule gagnante pour battre cette formation, cette deuxième meilleure formation au pays. Et voilà que la sirène va annoncer la fin de cette deuxième période. Donc, du côté des GGs, on va s'empresser de se diriger au banc. Au vestiaire plutôt. Et on va tenter de brasser le tout. Réal Paiement va essayer de sortir des lapins de son chapeau. Là, parce que ça va décidément prendre des miracles en troisième période pour que les GGs reviennent dans ce match. Mais comme on l'a dit, si ce n'est que du moins là, par honnêteté, par intégrité, par respect pour notre capitaine Mathieu Méthode, je crois que les GGs vont quand même se présenter en troisième période avec l'intention de remporter cette troisième période, du moins, démontrer à Mathieu Méthode qu'on tient à lui. Qu'on est là pour notre capitaine qui a été là pendant 4 ans pour nous et qu'au moins on va terminer cette rencontre pour lui et la tête haute. Absolument, c'est ça la beauté du hockey en quelque sorte. Malgré un déficit de 4 buts, on ne sait jamais ce qui peut arriver, il reste 20 minutes de jeu. C'est déjà arrivé, je pense notamment le Miracle en Manchester. Alors si c'est arrivé une fois, pourquoi ça ne pourrait pas se reproduire une autre fois, avoir le Miracle de GG Miracle? C'est beau rêver, mais par exemple maintenant les joueurs des GGs devront faire de même et pas rentrer dans le vestiaire et dire que c'est terminé puisqu'il reste encore 20 minutes de jeu. Donc voilà, chers téléspectateurs, c'est ce qui met fin à cette deuxième période. Donc on vous invite évidemment à nous revenir en début de troisième pour la suite et la conclusion de cette rencontre entre les GGs et les Redmen.
Alors voilà, alors que les joueurs effectuent leur retour sur la patinoire, on est de retour sur les ondes d'SSN Canada pour la conclusion de ce match entre les GGs et les Redmen de McGill. Rappelons que McGill a pris une avance de 5-1 après 40 minutes de jeu. Et du côté d'Ottawa, là, on décide d'apporter un changement. On va donner la dernière période à Aaron Barton, qui dispute également, qui dispute probablement comme Mathieu Méthode son dernier match dans l'uniforme des GGs. Donc une belle marque de confiance de la part de Réal Paiement, là, qui va envoyer son gardien vétéran dans les buts pour terminer la rencontre. Et du côté des GGs, on va simplement tenter d'écouler le temps et puis de fournir à nos finissants là, une belle performance pour la fin. Donc si on regarde du côté des statistiques en deuxième période, Jonathan, qu'en est-il? Bien, comme le pointage l'indiquait, une deuxième période qui a été dominée par le Redmen de McGill. 4 buts marqués par le Redmen contre seulement 1 pour les GGs, alors qu'on croyait que le vent avait tourné et que les GGs avaient réussi à réduire l'écart à 2-1. Peu de temps après, les Redmen ont marqué 2 buts en une trentaine de secondes et puis les GGs n'en sont jamais remis. Les lancers ont été 13-10 pour ce qui est des Redmen de McGill. Les chances de marquer 8-6. Donc chez les GGs, ce ne sont pas les chances de marquer qui ont manqué. On n'a seulement pas pu compléter le boulot. Et là, ça fait en sorte qu'on s'apprête probablement à disputer notre dernière saison de la saison 2011, notre dernière période de la saison 2011-2012. Voilà, immédiatement un arrêt de jeu. Là. On va reprendre à l'entrée de territoire d'Ottawa. Donc avec une marque de 5-1 là, du côté de Réal Paiement, il n'y a pas grand-chose à faire là, si ce n'est qu'appliquer de la pression, ne pas lâcher et tenter de gagner au moins la troisième période et terminer l'année sur une bonne note puisque ça a été quand même une année fructueuse pour les GGs. On a continué là où on avait laissé après la dernière année, après le bon recrutement de Dave Léger. On a réussi à amener des bons joueurs encore une fois avec Alexandre Touchette notamment, avec Mathieu Leduc, avec Guillaume Donovan. Je pense à Maxime Chamberlain également qui dispute sa dernière saison, un bon vétéran. Donc du côté des GGs, là, l'avenir est quand même prometteur. Absolument, puisqu'on a perdu seulement 3 joueurs après cette saison, si je ne m'abuse, chez les GGs, comme tu as nommé Maxime Chamberlain, qui en était à sa première saison ici, un joueur de deuxième trio, qui a disputé 4 autres années dans une autre université dont je ne me souviens plus le nom. On a également le capitaine, comme on vous l'a dit tout au long de la soirée, Mathieu Méthode. Ça va être une lourde perte, mais je crois que Touchette a démontré qu'il pouvait évoluer sur le premier trio, et puis que un trio composé de Blain, Touchette et puis Blunden ou Ireland, dépendamment de ce qui se produit l'année prochaine, ou une autre recrue même, comme on ne sait jamais, ça va pouvoir être un excellent trio. Et puis on a également le gardien qui est dans les buts en ce moment, Aaron Barton, qui est le gardien numéro 2. Donc la saison prochaine, on devrait vraisemblablement avoir un retour de Harrison May, qui sera habillé à tous les matchs, à moins qu'on réussisse à sortir un autre lapin de notre chapeau chez les entraîneurs des GGs. Alors, malgré tout, comme tu as mentionné, Sinichon, on a connu une bonne saison. Pas beaucoup de personnes s'attendaient à ce qu'on traverse la première ronde chez les GGs. On a réussi. Autre, cette personne a donné une bonne opposition aux joueurs des Redmen. Alors, il y a toujours du positif à bâtir dessus. Et puis, si on peut aller chercher quelques autres joueurs clés durant la saison morte, je crois que l'année prochaine, les GGs pourront être une équipe à surveiller, non seulement lors de la saison régulière, mais également lors des séries éliminatoires. Oui, parions également que la troupe de Réal Paiement aurait voulu éviter cette confrontation contre McGill aussitôt dans les séries. Là. Eux qui espéraient de tout cœur que Ryerson réussisse à battre les Patriots de l'UQTR pour que les GGs affrontent soit Carleton, soit Toronto. À ce moment-là, on aurait été plus en droit de s'attendre à ce que les GGs traversent une autre ronde des séries. Ça l'a passé extrêmement proche, Ryerson, qui a gagné la première partie face aux Patriots de l'UQTR. Voilà, Lévesque qui s'échappe face à Barton et l'arrêt du gardien de quatrième année, Aaron Barton, qui à son premier lancé là, dans la rencontre réussit un bijou face à Lévesque. Il conserve ce match à 5-1. Donc voyons voir si cet arrêt de Barton donnera de l'énergie aux GGs là, et puis si on va réussir à percer la muraille d'Hubert Morin qui a été parfait depuis la première période. Hubert Morin qui a connu une première période difficile à McGill, mais depuis ce temps, il s'est ressaisi dans lui qu'un seul but. En maintenant 60, il s'enligne sur sa 100e minute de jeu sans allouer un but. En ayant alloué un but en 100 minutes de jeu. Donc c'est excellent pour un gardien, puisque comme on sait, le hockey universitaire, c'est du hockey qui est très offensif. Les GGs qui sont un peu moins cette année, contrairement à l'année dernière, sous le Dave Léger, mais malgré tout, c'est une équipe qui a des gros canons. On pense notamment à Blunden, à Ireland, qui malgré cette saison, qui a connu une saison difficile, qui est un excellent joueur de hockey, qui d'autre que le capitaine Mathieu Méthode, Luc-Olivier Blain et Dominique Jalbert sont tous des joueurs extrêmement offensifs.
Et là, on aura une punition chez les Gigi's. Alors... Oui, ce sera Mathieu Leduc qui va aller s'asseoir au banc 2 minutes. Il va donner un autre avantage numérique à McGill. Donc là, c'est le genre de séquence qu'on voulait éviter du côté de Real Femal. On voulait au moins pousser et mettre beaucoup de pression sur la défensive de McGill et transporter le jeu dans leur territoire. C'est plutôt le contraire qui va se produire, là, alors que du côté de McGill, on va bénéficier d'un avantage numérique. Méthode envoie cette rondelle à l'autre bout. Ce sera repris par Dorion. Aficar Hooper qui laisse pour Dorion. Pour Laporte plutôt. Laporte s'amène par la rampe jusqu'à l'Angelier Parent. Fouché travaille d'une main. Laisse pour Blain. Blain qui entre les deux défenseurs tente de dégager. C'est Méthode qui applique une solide mise en échec à Laporte. Et ça permet à Fouché de compléter le dégagement. On va compléter les changements du côté des GGs. Cranbill, Foster, Voyer et Jalbert sont envoyés dans la mêlée. Alors qu'il reste un peu plus d'une minute à faire à cette punition à Mathieu Leduc. Par le derrière le filet. Picard Hooper rejoint Dorion. Rondelle sautillante, réussit à la maîtriser. Juste à temps pour conserver en territoire des GGs. Le tir, ça passe au-dessus de la cage de Barton. Belzile, à l'Ompré Poirier. Toujours l'Ompré Poirier. Donc passe pour Picard Hooper. Le tir de Picard Hooper, ça touche l'extérieur du filet. Et ça va dévier jusqu'au centre. Ce sera repris par Dorion. Dorion à Belzile. Il a la difficulté à maîtriser, finalement reprend. Il laisse pour l'Ompré Poirier. On complète l'entrée de territoire. C'est bloqué par Jalbert. Il va se faire une passe pour lui-même. Il va forcer McGill à revenir dans le centre de la glace. Genet et McKiernan s'échangent la rondelle. Et ce sera Touchette. Il va laisser à l'Ompré Poirier. Vignac. Il s'amène à toute vitesse face à Fouché. Il va tenter de le contourner. Fouché le pousse... contre la bande. Voilà, du côté du Bar-Morin, on annonce la fin de la punition à Leduc. Donovan, quelques belles feintes, tente de remettre pour Chamberlain. Il ne s'attendait pas à cette passe. Ça va avorter, ça va forcer Ottawa à revenir dans le centre. Chamberlain, longue passe pour Donovan. Passe sautillante. Il a difficulté à être maîtrisé par le joueur des GGs. Du côté de McGill, on tente de quitter sa zone. Boisvert. Se porte lui-même en attaque. Laisse derrière le tir. C'est bloqué. Ça reviendra. Ça passe entre les jambières de Barton. Mais ça a raté la cible. Barton a été chanceux là-dessus. Boisvert. Un tir bloqué par Barton qui ne donnera pas de retour. Donc là, depuis le début de la troisième période, là, c'est Aaron Barton qui se signale. Absolument, et c'est extrêmement difficile pour un gardien qui a passé les 40 premières minutes sur le banc, qui n'est plus réchauffé, arriver à avoir à faire de belles arrêts. On se souvient que son premier lancer, c'était sur un échappé qui effectuait un excellent arrêt de la jambière. Alors jusqu'à présent, on peut affirmer que Russell Barton garde son équipe dans la partie pour ceux qu'il reste d'être dans la partie, mais si ce n'était de lui, ça pourrait être 6-7-1 en ce moment. Oui, donc Aaron Barton qui fait des miracles devant la cage d'Ottawa présentement. On rejette à la gauche de Morin. Voilà Lévesque dans sa zone. Réussi à éviter Carnival avec une belle feinte là. Mais c'est Miller qui a couvert les arrières de son coéquipier. Hayes. Le voyez bataille le long de la rampe. Alors, on a reçu un bâton au visage du côté du joueur de McGill. Et c'est Voyer qui va aller s'asseoir au banc. Il a atteint avec sa palette. J'essaie de voir c'est qui. C'est Bourgeois. C'est Bourgeois qui a été atteint au visage. Et c'est plutôt Carl Hayes là, qui va aller s'asseoir au cachot 2 minutes. Donc, autre avantage numérique pour McGill. Rien ne va du côté d'Ottawa.
C'est certainement pas ce qu'on s'attendait ou ce qu'on voulait plutôt avoir du côté des Gigi's en début de troisième. Eux, que ça leur prend 4 buts pour créer l'égalité. On aurait aimé marquer un, possiblement 2 buts rapides. Mais au lieu, on a fait tout le contraire. On a pris 2 punitions rapides en moins de 5 minutes. Donc maintenant, ça s'en vient de plus en plus mission impossible pour les Gigi's de revenir de l'arrière. Espérons pour eux que s'ils veulent réussir la mission impossible, Tom Cruise se joindra à l'équipe. Si jamais Tom Cruise venait prêter main forte aux GGs, là, peut-être que ce miracle pourrait se produire. Quoi qu'il en soit, là, c'est Lompré Poirier qui a été chassé sur la dernière séquence pour obstruction à l'endroit de Mathieu Méthode. Et on va jouer à 4 contre 4 pendant 1 minute 44, suite à quoi les GGs là, vont bénéficier d'une quinzaine de secondes d'avantage numérique. À la droite d'Hubert Morin, ce sera Luc-Olivier Blain face à l'Angelier Parent. Emporté par Blain, mais c'est Picard Hooper qui saute immédiatement sur le disque. Genet. Tenter une passe entre les deux défenseurs, c'est intercepté par le Duc. Ça mène avec Blain. Méthode sur le flanc gauche. Blain tente de rejoindre Méthode, mais beau jeu du défenseur qui a bloqué cette passe. Campbell envoie la rondelle au filet, dévié par Méthode, ça rate la cible. Belle passe de méthode pour Cranbill qui s'était porté à l'attaque, mais le défenseur des GGs n'a su maîtriser cette rondelle. Dommage, là. Et voilà méthode premier en défensive, il va se replier. On va empêcher McGill de profiter d'un tir à l'endroit de Barton. Finalement, c'est réussi. Barton bloque et ça permettra à Blunden de reprendre. Blunden à le Duc, on s'amène à 2-1 possiblement. Blunden, belle passe de le Duc, le tir et le but! Quelle passe de la part de Mathieu le Duc. Une passe soulevée du revers. Parfaite sur la palette de Steven Blunden. Et c'est 5-2 avec 13-51 à faire. Très bien dit, une très belle passe. Et comme tu l'as mentionné, c'est 5-2. Et puis on s'en ira en avantage numérique sous peu chez les GGs. Alors est-ce qu'on sera en mesure de remarquer un autre but pour réduire l'écart à 2 buts avant qu'il reste 10 minutes à jouer en troisième? Si oui, on risque d'avoir le début d'une autre partie. Mais maintenant, on doit prendre un lancer à la fois. On a joué de l'excellent hockey sur les deux dernières séquences. Alors, on n'est pas de retour dans la partie, mais un autre but et le tour pourrait être joué. On pourrait être de revenir dans la tête dans la partie et également être dans la tête des joueurs des Redmen. Exactement. Si jamais les GGs parvenaient à marquer un autre but rapide, là, comme tu le dis, Jonathan, ça pourrait hanter les joueurs des Redmen là, qui, on le sait, dans le sport, une avance de 2 buts, on dit souvent que c'est la pire avance à avoir. Pour l'instant, les joueurs de McGill sont corrects. Ils ont encore 3 buts de priorité sur l'équipe d'Ottawa. Boston. En retrait à Dorion qui se porte à l'attaque. Dorion pour Vassin, mais beau jeu de Fouché. Et là, Blunden va être chassé pour avoir chargé. Là, du côté des spectateurs, on n'est pas du tout content, là. Le Blunden va aller s'asseoir au cachot et les Redmen de McGill vont avoir un autre avantage numérique. Si c'est une punition que Blunden n'aurait pas dû prendre, mais c'est également une punition qui aurait pu pas être appelée, comme on sait, c'est du hockey physique, surtout en troisième période lors d'un match où si on perd, on va être éliminé, on tente de réveiller notre équipe de toutes les façons possibles. Malheureusement, pour Blunden, il en a un petit peu trop mis, donc on aura un avantage numérique de 4 contre 3 chez les joueurs des Redmen, alors qu'on aura beaucoup d'espoir à Vasse-Noire, alors en ce moment, on peut vraiment mettre fin aux espoirs des GGs. Voilà, dans le centre de la glace, c'est Dorion qui va reprendre jusqu'à Bignac. Bignac qui laisse derrière pour Dorion. Le tir, bel arrêt de la part de Barton, l'arrêt de la jambière. Barton qui s'illustre encore une fois, ça permettra à Méthode de contre-attaquer. Mathieu Méthode. Longue passe de l'autre côté pour le Duc qui se porte à l'attaque. Le Duc à Méthode, à Blain plutôt. Blain qui se fait faire trébucher. Cette rondelle a été bloquée par Bignac. Attention, du côté de McGill, on s'amène en surnombre. Lompré Poirier qui quitte le banc des punitions. Au haut du cercle des mises en jeu, à l'embouchure du filet pour Bignac. À McKiernan. Avec 1 minute et quelques secondes à faire à la punition à Blunden. Picard Hooper de l'autre côté, belle passe pour Bignac. Là. On a vu là-dessus sur la dernière séquence à quel point Picard Hooper est un joueur intelligent. À quel point il a une vision du jeu incroyable. Il repère ses coéquipiers, là, peu importe où il est sur la patinoire. C'est pas pour rien qu'il est un des meilleurs passeurs sur le circuit universitaire en Ontario. Passon, au travers en échec avant de Donovan qui lui soutire la rondelle. Picard Hooper passe soulevé pour Passon. Passon qui va simplement rejeter du revers derrière Barton. Ça sera pris par Cranbill. Austin Cranbill, ça mène en attaque. Franchit la ligne rouge. Rejoint Donovan. Donovan à Cranbill qui a de la difficulté à maîtriser.
Décidément, le Cranbill qui ne profite pas des occasions qu'on lui offre ce soir. Rappelons que tantôt, Mathieu Méthode lui a servi une passe parfaite que Cranbill n'a su maîtriser et n'a pu profiter d'un tir à l'endroit de Hubert Morin. Jalbert intercepte, remet jusqu'à Ireland. Le tir d'Ireland, ça rate la cible. Il reste quelques secondes à faire avant la fin de la pénalité à Blondin. Boston s'amène. Yes, le tir, ça touche le poteau. Un tir violent, là. Ça provenait du bâton de l'Angelier Parent. Voyez, ça mène en contre-attaque. Par la rondelle, mais c'est Forster qui récupère. Envoie cette rondelle dans l'enclave. Et les Redmen reprennent. Donc, belle chance de la part de l'Angelier Parent, là, sur une descente à 3 contre 2. Il avait déjoué Aaron Barton, mais n'a pas déjoué le poteau. Thomas Beaubriot, là, qui effectue une de ses rares présences dans ce match. Et qu'on n'avait pas vu depuis du moins la première période, à moins qu'il ait joué pendant qu'on n'était pas là. Et là, un tir de Ireland. Et Morin regarde derrière lui. Il n'était pas trop sûr d'avoir réalisé l'arrêt. Mais il avait bel et bien réussi. Et on aura mis en jeu à sa gauche. Donc, du côté des GGs, au moins on menace. Absolument. C'est la moindre des affaires que l'on puisse demander si on est réel paiement. C'est que au moins on a des menaces. Maintenant, si on peut, comme je me répète, mais on doit absolument marquer un but dans les prochaines minutes si on va avoir une chance de revenir de l'arrière. Ensuite, ça va prendre un mini-miracle en soi, mais comme tu as mentionné plus tôt, Sinicha, l'avance de deux buts, c'est l'avance la moins sécuritaire dans le sport. Alors, on peut entendre les partisans seulement qui tentent d'encourager les joueurs des GGs et Paiement qui réplique en envoyant le trio de Blain dans la mêlée. Les enjeux remportés par les GGs, ça reviendra à Jalbert. Fin de tir, finalement, envoie cette rondelle à l'embouchure du filet. Blondin perd pied, ça reviendra derrière. Et Morin qui va emprisonner ce disque sous son bouclier et sa jambière. Ça va forcer l'arrêt de jeu. On a un peu de brasse camarade là, après le sifflet. C'est Blondin et puis... est-ce que c'est Vassin? Non, c'est Dorion. Blondin et Dorion là, qui s'échangent quelques mots. Peut-être qu'ils parlaient de la belle victoire des Canucks de Vancouver hier suite, face aux Red Wings de Détroit. Sait-on jamais? Possiblement. Ou peut-être qu'ils s'échangeaient des idées philosophiques sur comment les GGs reviendront de l'arrière, mais malgré tout... Oh. Luc-Olivier Blain qui remporte la mise en jeu et qui force du même coup le centre des Redmen de McGill à commettre une punition. Alors avec 10-28 à jouer en troisième période, tirant de l'arrière par 3 buts, les GG qui s'en vont en avantage numérique. Alors c'est une chance très vite de revenir dans la partie pour le troupe de Real Paiement. Voyons voir s'ils seront en mesure, puisque comme on le sait jusqu'à présent dans la partie, si je ne m'abuse, ils ont eu 3 ou 4 avantages numériques. Et puis ils ont été incapables de marquer. Et chez les Redmen, c'est le numéro 16 Parent qui est chassé. Pardon? L'Angelier Parent qui est chassé 2 minutes pour avoir fait trébucher. L'Angelier Parent, là, c'est un gros morceau du côté des Redmen de McGill en désavantage numérique. Et c'est lui qui se retrouve au banc des punitions. Donc, ça permettra aux GGs peut-être de profiter d'un bon avantage numérique pour une fois si on réussit à installer notre attaque à 5 comme il se doit. Le Jalbert qui dit à Le Duc de couvrir ses arrières puisqu'il se porte à l'attaque. Tire de méthode, c'est bloqué. Ça reviendra à Blain. Jusqu'à Jalbert. À Le Duc. Le Duc qui remet à contre-courant à Méthode. Tire de Jalbert, ça rate la cible. Ça revient devant. Et c'est Morin qui va sauter immédiatement sur le disque. Donc pour une nombreuse fois, encore une fois ce soir, Dominique Jalbert qui n'arrive pas à toucher le filet. Absolument, mais sur cette dernière séquence, je ne sais pas si c'est un jeu préfabriqué de la part de Jalbert qui voulait diriger la rondelle sur la bande en arrière pour Blain qui était posté devant le filet. Puis un petit fait, si ça avait été la Ligue nationale, le gardien Hubert Morin aurait eu une punition puisqu'il a joué la rondelle à l'extérieur de la limite permise touchée par le gardien. Mais heureusement pour lui, le hockey universitaire qui n'a pas les mêmes règlements que la Ligue nationale, donc ce sera seulement un avantage numérique d'un homme pour les GGs. Jalbert qui ne réussit pas à conserver cette rondelle en territoire offensif. C'est au beau travail de Vassin qui en plongeant a réussi à dégager son territoire. La porte, sans équivoque, va tenter de dégager. Cette rondelle a été envoyée si fort qu'elle a même traversé la baie vitrée pour se diriger de l'autre côté. Et là, au lieu d'avoir un dégagement jusqu'à l'autre bout, ce sera une mise en jeu à la droite de Morin, pardon. On amène le trio de Chamberlain, Touchette, Ireland, flanqué de Donovan et Dominique Jalbert. Donc, encore une fois, 4 attaquants du côté du Real de Paiement. Et cette fois, c'est Donovan qui va être employé à la pointe. Chamberlain réussit à conserver le disque en territoire offensif. Jalbert se déplace le long de la ligne bleue. Passe soulevée dans les patins de Chamberlain qui réussit à maîtriser à l'embouchure du filet. Pour Ireland, passe vive. On tente de faire bouger le quatuor défensif de McGill.
On vient de franchir la mi-période là, alors qu'il reste 9 minutes à faire à cette troisième période. Toujours 5-2 McGill. On cherche des options de tir du côté des GGs. Là, on fait simplement se passer la rondelle. Un tir qui manquait de vélocité. Là, Chamberlain a été chanceux sur la séquence. Là-dessus, il aurait pu être chassé. Mais parions qu'Alexandre Touchette aimerait revoir ce tir. Longue passe de Barton. C'est complété jusqu'à Ireland. Mais pas pour longtemps, puisque McGill réussit à dégager son territoire jusqu'à l'autre bout. Et là, il reste 5 secondes à faire à cette punition à l'Angelier Parent. Donc, on aura peut-être le temps tout simplement de pénétrer en territoire offensif du côté d'Ottawa. Et voilà, on joue à 5 contre 5 maintenant. Donc, belle chance ratée par les hommes de Réal Paiement de réduire l'écart à 2 buts. Et là, du côté de McGill, on va s'amener à 2 contre 1. Justement, à l'Angelier Parent, à Dano. Belle passe de Dano, là, mais c'était entre les patins de l'Angelier Parent. Barton avait été battu là-dessus. Le Duc qui se porte à l'attaque. Le Duc qui se fait retenir son bâton. Regardez du côté de l'officiel, mais il n'aura pas d'appel. Belzile qui applique les freins. Se fait donner une solide mise en échec par Carnival. Forster tente de se défaire de Picard Hooper. C'est les Redmen qui reprennent. À l'embouchure du filet, c'est Forster qui reprend. Il s'amène en contre-attaque du côté d'Ottawa. Forster à Le Duc qui est profondément en territoire... Les Redmen, là, donc Mathieu Leduc qui se prend pour un Niklas Lidström ce soir, se porte profondément en attaque. Et là, on va être chassé du côté des Gigi's. Bignac envoie la rondelle à Aaron Barton. Et lorsque David Fouché va toucher à ce disque, il va être chassé. Donc l'arbitre qui va effectuer le geste de coup de bâton. Et ce sera Mathieu Leduc. Il va être chassé. Alors, avec un petit peu plus de 7 minutes à disputer en troisième période, avec un déficit de 3 buts, je crois qu'on peut annoncer que ce sont les dernières minutes de la saison des GGs, à moins d'un miracle, comme on a mentionné plus tôt. Mais sur la dernière séquence, on a tout tenté en avantage numérique, mais malheureusement, on a vu que les Redmen sont une équipe qui est extrêmement bien coachée. On n'avait aucun angle de lancer nulle part, et le seul lancer qu'on a tenté, c'est un lancer de Touchette qui a manqué de vélocité. Qui s'est ensuite tourné en 2 contre 1 pour les Redmen de McGill. Alors, c'était les Redmen qui jouent de l'excellent hockey, qui ont un excellent entraîneur, personnel d'entraîneur également. Alors, ils méritent tout ce qui leur arrive aujourd'hui, tout comme dans la partie numéro 1. Et les Redmen de McGill, là, qui ça fait plusieurs années qu'ils dominent le circuit universitaire ontarien. Là. Et puis, ce n'est pas pour rien. On a un système de jeu qui fonctionne à merveille. Rappelons que Mathieu Darche a évolué dans ce programme-là. C'est un des meilleurs programmes au pays. Et on remarque encore une fois ce soir pour quelle raison. Le tir de Dorion s'arrête la cible. Tir violent du défenseur Marc-André Dorion. Là, Donovan va tenter de se défaire de Dorion. Mais là, entre deux patineurs très rapides, finalement, c'est le défenseur des Birdmen qui a le dessus. Même si Donovan, là, on sait qu'il est... un très rapide patineur lui aussi. Picard Hooper passe du revers, saisi par Dorion au vol, par la rampe. Allons pré-Poirier, face à Jalbert. Laisse derrière lui pour Picard Hooper. Jusqu'à Dorion, le tir, c'est bloqué par Barton. Voilà Donovan jusqu'à Chamberlain. Chamberlain qui va aller appliquer de la pression en terrien. Donc, il reste une vingtaine de secondes à faire à la punition à Mathieu Leduc. 5:45 à faire au match. Miller qui se compromet. Ça permettra à Terrien de reprendre un tir là, bloqué par Barton, mais laisse un retour. Ça revient, ça rate la cible à la droite. Repris par Bignac. Bignac face à Jalbert qui ne lâche pas. Beau travail du défenseur des GGs. Rondelle touche l'officiel et ça permet à McGill de poursuivre. Voilà, on joue à 5 contre 5. Donc, mission défensive du moins accomplie pour GGs. Le tir de Bignac, ça rate la cible, lui, qui était fin seul dans l'enclave. Blunden franchit la ligne bleue des Redmen. Amène cette rondelle au filet. Passe pour Ireland, là, mais qui n'a pu maîtriser. Dommage, puisqu'il était fin seul dans l'enclave. Prudemment, le Fouché va simplement rejeter ce disque derrière lui, mais c'est Lévesque qui s'amène en contre-attaque. Le tir, c'est bloqué par Barton, qui ne donne pas de retour. Donc, point positif du côté des GG, c'est que
On mène 1-0 dans cette période et qu'Aaron Barton fait du bon boulot. Absolument, Aaron Barton qui est venu en relève de Russell Albert durant l'intermission entre la deuxième et la troisième période, qui a été parfait jusqu'à présent, qui joue de l'excellent hockey. Et puis, comme tu as mentionné, Sinisha, chez les GG, ils ont mené cette période 1-0. Alors, c'est des petites victoires à ce stade-ci, puisqu'on comprend vraisemblablement qu'on ne pourra pas continuer de poursuivre notre saison. Donc, toutes les petites victoires sont importantes pour l'année prochaine, pour se garder un petit peu de confiance après deux défaites crève-cœur face aux Redmen de McGill. Alors, la rampe, l'ange les parents laisse derrière lui pour l'évêque. Là, c'est Méthode qui rejoint Blondin au centre. Blondin face à Bourgeois. Travail d'arrache-pied pour reprendre cette rondelle, mais le joueur des Redmen dit non. Longue passe pour Dano. Là, les deux joueurs vont être chassés. Le joueur de McGill pour avoir plongé vraisemblablement. Et Luc Olivier Blain pour avoir accroché. Donc, est-ce que c'est Blain? Oui, c'est Blain. Il se dirige au banc. Là, il voulait avoir des explications de l'arbitre avant. Mais la porte et Blain sont chassés. Donc, s'il n'y aura pas d'incidence, tu vois, sur les effectifs sur la glace, on va jouer à 5 contre 5. Mais avec 4 minutes 30 à faire, là, perdre son premier centre en plus, là, ça fait mal. Absolument, Sinisha, mais comme le dicton l'a dit, quand ça va mal, ça va mal. Et puis, je crois que ça résume bien la soirée des GGs de ce soir, parce qu'on n'a pas joué une mauvaise partie chez les GGs. On a seulement été malchanceux. Et puis, les surnombres nous ont coûté très, très cher. Puisqu'à toutes les fois que les GGs attaquaient, un défenseur qui s'emmenait en zone offensive pour créer une chance offensive, une mauvaise passe ou ratait tout simplement la rondelle, on s'amenait à 2, à 3 ou même à 4 contre 1. Puis on sait que c'est pour le défenseur qui est à 4 contre 1, c'est extrêmement difficile. Alors, on n'a pas mal joué, c'est les GGs, ça n'a pas été notre meilleure partie non plus, mais on mérite un bien meilleur sort que 5 à 2 face aux Redmen de McGill. Belzile rejette cette rondelle à la droite de Barton. Et on va compléter des changements. Le Duc à Carnival fait dévier cette rondelle, mais la rondelle quitte la surface de la patinoire. Ce qui va forcer les arbitres à appeler l'arrêt du jeu. Donc après début de match assez tranquille ici au complexe sportif, ça s'est passablement rempli. Donc il y a beaucoup de spectateurs qui assistent vraisemblablement au dernier match d'Ottawa cette saison ici au complexe sportif Minto de l'Université d'Ottawa. Genet par la rampe. Boisvert qui reprend. Travaille face à Cranbill. Boyer traverse la ligne rouge. S'amène en attaque face à McKiernan. McKiernan réussit à éviter la mise en échec et à compléter jusqu'à Ducharme. Cranbill a flairé le jeu et se porte en attaque. Rejoint Boyer. Chamberlain cherche une option. Remet dans l'enclave pour Donovan le tir. C'est bloqué par Morin. Longue passe. Boisvert qui va simplement du revers rejeter jusqu'en territoire d'Ottawa. On va y voir du côté de Real Paiement là, si dans les prochaines secondes, on va décider de retirer Aaron Barton et y aller le tout pour le tout, puisque perdre 5 à 2, 6 à 2 ou 7 à 2, ça ne fait plus vraiment de différence. Absolument, Sinisha, ça revient du pareil au même. Et puis, on va mettre toutes les chances de notre côté. Mais malheureusement, marqué 3 buts en 2 minutes 25. Le Lightning a passé très près hier, alors qu'ils ont marqué 2 buts dans un filet désert. Pour eux, c'est également s'incliner par un but. Mais c'est extrêmement difficile, surtout contre une équipe qui a autant d'une puissance comme les Redmen de McGill. Alors, on peut voir les punitions aux deux joueurs chassés qui prennent fin. La punition à Luc-Olivier Blain, ainsi qu'à Laporte, merci beaucoup, qui prennent fin. Alors, ça s'annonce, c'est d'être les dernières présences dans l'uniforme des GGs pour Mathieu Méthode, qui est sur la patinoire en ce moment. Alors, c'est malheureux pour lui qui aura tout donné, qui aura donné l'avance aux GGs lors de la partie numéro 1. Mais malheureusement pour lui, la puissance que sont les GGs ont été trop forts pour la troupe de Real Paiement. Donc, possiblement que Real Paiement va donner beaucoup de temps de jeu à Méthode dans cette fin de match-là. Donc, il savoure les derniers moments de sa carrière universitaire. Il va vraisemblablement prendre fin.
Jalbert qui se porte à l'attaque. Là, ça Blondin. Le tir, ça dévié sur Morin, là, qui a partiellement bloqué cette rondelle. Là, en clair, Blondin. Le tir et le but! Steve Blondin réduit l'écart à deux buts avec une 39 à faire. Mais vraisemblablement, il sera trop peu trop tard. On en a parlé, l'avance de deux buts, c'est la moins sécuritaire de sport, mais je ne crois pas qu'elle soit pas sécuritaire au point de se faire marquer deux buts en 1 minute 40. Mais bon, on ne sait jamais, peut-être que ça va redonner confiance aux joueurs des GGs. On est également maintenant dans la tête des joueurs de Redmen. Il reste seulement un déficit de deux buts, alors que c'était quatre il y a environ 20 minutes. Alors, peut-être que le premier trio et le deuxième trio pourront accomplir un petit miracle. Et sinon, au moins, on s'est bien combattu en troisième période côté chez des GGs. Oui, si ce n'est une victoire morale, du moins du côté d'Ottawa. Là, on mène 2-0 dans cette troisième période. On a disputé une bonne période de hockey. Et si on peut terminer la rencontre, au moins en donnant la frousse aux joueurs de McGill. Là. Cette rondelle qui est dégagée jusqu'à l'autre bout, ce sera la course entre Cranbill et Lévesque. Cranbill. Touchette qui laisse filer pour Donovan. Donovan jusqu'à Morin. Morin laisse derrière lui. Et voilà, Aaron Barton se dirige au banc pour, au profit d'un sixième attaquant. On tente le tout pour le tout. Pour la formation de Real Paiement, alors qu'il reste moins d'une minute à faire à ce match de hockey. Chamberlain à McKiernan. McKiernan rejette en lob jusqu'au centre de la glace. Touchette par la baie vitrée. Là, je suis surpris du côté de Real Paiement qu'on n'envoie pas Mathieu Méthode dans la mêlée. Fouché. Passe interceptée par Lévesque. Touchette derrière le filet à Chamberlain. Chamberlain travaille d'une main. Une vingtaine de secondes à faire au match. Là, du côté de McGill, on effectue du bon boulot. Là, on écoule de précieuses secondes derrière le filet de Morin. Et par la rampe, voilà le dégagement de l'Angelier Parent. Il y aura mise en jeu le territoire de McGill avec 8,7 secondes à faire. Et voilà, on amène le trio de Mathieu Méthot, Luc-Olivier Blain et Steven Blondin pour terminer cette rencontre. Donc, dernière présence en carrière universitaire pour Mathieu Méthot. On va voir si il va réussir à profiter d'un dernier tir également. Mise en jeu remporté par McGill. La rondelle va toucher le filet protecteur. Et là, on retarde l'inévitable avec de nombreux arrêts de jeu dans ces dernières secondes. Encore une fois, à la gauche de Morin. Luc-Olivier Blain face à l'Angelier Parent. Remporté par l'Angelier Parent qui va conclure une solide performance. Et voilà la sirène qui annonce la fin de ce match et la fin de cette série. Donc les Redmen de McGill qui remportent le match par la marque de 5-3. Et puis donc remportent, balayent cette série 2-3 face aux GGs de l'Université d'Ottawa. Donc le premier match leur a coûté très cher aux GGs. Et voilà que du côté d'Ottawa, on va aller saluer Aaron Barton. On va lui donner le heads up, comme on dit. Et Mathieu Méthot également là, qui est en train de discuter avec Barton. Probablement que c'est très difficile pour les deux joueurs. On peut voir Aaron Barton qui est visiblement ému, qui a un genou au sol et puis tous ses équipiers sont autour de lui. Ça, lorsqu'on en donne autant que ces deux joueurs ont donné pour un programme, quatre années, c'est long avec c'est beaucoup, quatre saisons avec une équipe. Et puis de voir ça prendre fin d'une façon autant crève-cœur, ça doit pas être facile. Au moins, les deux joueurs pourront dire qu'ils auront terminé leur carrière universitaire du bon pied côté individuel. Aaron Barton qui a connu une excellente troisième période. Mathieu Méthot, qui est fidèle à son habitude, a disputé une excellente partie. C'était une question de pouce à quelques occasions pour lui, notamment sur une belle passe à le Duc. Mais bon, maintenant, c'est la fin de la saison des GGs, comme on l'a dit, une saison de laquelle ils peuvent être fiers. On a terminé au sixième rang du sport universitaire Ontario, ce qui est excellent. Ce qui aurait pu être mieux si on n'avait pas déclaré forfait lors des deux matchs contre l'Université de Carleton, mais on ne reviendra pas sur ça. Puis là, on peut voir les joueurs des GGs qui restent sur la patinoire. Question de saluer la foule une dernière fois et tous les spectateurs qui sont encore présents au complexe universitaire Minto. Alors, on peut comprendre que c'est un moment extrêmement difficile. On peut même voir Aaron Barton qui discute avec l'arbitre au centre de la patinoire. Tous les joueurs qui se regroupent sur le logo du double G.
qui lèvent leur bâton en guise de remerciement à la foule, qui à leur tour remercient les joueurs en les applaudissant chaleureusement. Alors, une excellente saison pour les GGs. Oui, donc les joueurs qui vont retraiter au vestiaire pour la dernière fois cette saison. Donc une belle saison là, qui va prendre fin. Et plusieurs joueurs là, qui auront disputé leur dernier match, leur dernier coup de patin sur cette patinoire après une longue carrière universitaire, notamment Mathieu Méthode, Thomas Beaubriot, Aaron Barton. Et je ne sais pas si j'en oublie, là, mais oui, et Maxime Chamberlain également. Donc dommage, mais toute bonne chose a une fin. Et les GGs se sont butés à plus fort. Et avec raison, le Redmen de McGill représente une puissance sur le circuit universitaire et au Canada même. Donc voilà, c'est les Redmen de McGill qui vont avoir mis fin à cette belle histoire des GGs qui auront causé une surprise en première ronde en réussissant à battre les troisièmes placés dans le circuit universitaire ontarien. Et ce soir, le Redmen ont été trop forts et ont profité des chances qu'on leur a offertes. Donc, chers téléspectateurs, on vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute, de nous avoir suivis. On s'excuse encore une fois d'avoir été retardés en début de rencontre. C'est ce qui m'a fait une belle saison également. Et on vous invite donc à nous rejoindre au début de l'année prochaine pour une autre saison des GGs qui, espérons-le, va se poursuivre encore une fois plus loin. Donc, c'est Sinisha Shindik, en mon nom, qui vous souhaite une excellente fin de soirée. Également, au nom de Jonathan Noël. Merci beaucoup, Jonathan. J'espère qu'on aura la chance de commenter plus souvent ensemble l'année prochaine. Donc, bonne fin de soirée, chers téléspectateurs, et à l'année prochaine. Merci, merci.